Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Je suis allée faire un tour chez Action. Donc si vous entendez du bruit, je vais essayer de mettre une petite musique de fond, mais si vous entendez du bruit, c'est tout simplement parce que j'ai ouvert mes fenêtres parce qu'il fait une chaleur à crever dans la chambre. Donc voilà pour la petite histoire. Donc pour commencer chez Action. Bon, comme d'habitude, je vous les présente à chaque fois dans mes hauls, mais c'est devenu un gros top pour moi chez Action. Donc ce sont les chips de coco. Je n'ai pas le ticket avec moi, je l'ai gardé dans mon portefeuille. Je vous mettrai tout simplement les prix par ici ou par là. Puisque sinon à chaque fois je galère pour retrouver les prix, ça dure 3 heures. Donc voilà. Donc je me suis repris deux petits paquets de chips de coco. Chez Action également, j'ai trouvé ça il y a 15 jours et du coup je suis retournée en chercher. Donc ils vendent comme ça des chips de fruits, donc 100% naturels. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Crispy Crisps sont fabriqués à partir de fruits frais. Ces fruits sont directement lyophilisés après la récolte. Ainsi, ils conservent leurs nutriments les plus importants et les chips sont bien croustillantes. Pour une expérience gustative optimale, il est conseillé de consommer les chips directement après l'ouverture de l'emballage. Donc ce sont des fruits sans colorants, sans arômes ajoutés, sans conservateurs, sans gluten, sans graisse ajoutée, sans graisse insaturée, n'a pas été frit, n'a pas été cuit et c'est sans OGM. Donc en fait, pourquoi j'en ai acheté une petite cargaison? Tout simplement parce que donc, les 100 grammes font 306 calories. Vous inquiétez pas, je vais parler énormément de calories. Tout simplement, je vais vous faire très bientôt une vidéo sur le... C'est pas un régime, sur le rééquilibrage alimentaire que je suis actuellement et avec lequel j'ai perdu 7 kilos en 2 mois. Donc voilà, je vous parlerai du petit bonheur que c'est. Tout simplement, il faut que je calcule les calories que je consomme, que ce soit en mangeant ou en buvant. Bref, c'est pas Weight Watchers, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc en fait, là, ce sont des paquets de 18 grammes. Et pour les pommes, on est à 55 calories. Donc autant vous dire, c'est pas grand chose. C'est des fruits. Merci la moto. Donc ce sont des fruits naturels, tout simplement parfois, là je vais vous présenter d'autres fruits, j'en ai pas forcément sous la main, j'ai envie de ces fruits là, du coup c'est super agréable. Puis bon, c'est sous forme de chips, donc c'est marrant. Donc là pour le paquet c'est 55 calories, donc j'en ai acheté deux à la pomme. Bon, j'ai pas retrouvé le deuxième. Ensuite j'en ai acheté deux à la poire. Donc là le paquet c'est 63 calories. Wow. Pomme poire. Ils existent aussi à la fraise. Alors ceux-là, ce sont mes préférés. On a vraiment le goût de la fraise et en plus on a vraiment la forme des fruits puisqu'ils sont tout simplement déshydratés en fait. Donc pour les fraises, c'est 63 calories, les 18 grammes. Et le dernier, j'en ai acheté aussi deux à la pêche, donc pour 68 calories et 18 grammes. Donc ça, c'est vraiment un petit bonheur chez Action. De mémoire, c'est 69 ou 79 centimes. De toute manière, je vous mettrai les prix sur la vidéo. Donc ça, ce sont vraiment... Là, j'en ai pris deux paquets de chaque, puisqu'il n'y en avait quasiment plus en rayon. Et mon chéri m'a dit, on prend le reste, comme ça on sera tranquille. On reste toujours un petit peu à la chasse aux calories. J'ai goûté. Alors, j'étais un peu... comment dire ? J'étais un peu dubitatif, je savais pas vraiment si ça avait du goût ou pas. En fait, il existe maintenant chez Action des... Je veux pas dire que c'est des féculents puisque c'est pas des féculents. Du riz, des pâtes au konjac. Donc en fait, qu'est-ce que le konjac? Ce sont tout simplement des fibres végétales. Donc là, ils en ont fait en forme de riz et... Le petit bonheur, c'est que 100 grammes valent 7 calories.
sachant que 100 g de riz, on doit être aux alentours des 120 ou 130 calories. Donc voilà, ça remplit énormément l'estomac, donc en plus vous n'avez pas du tout de sensation de faim. Par contre, ça n'a pas de goût. Donc effectivement, comme ça coûte pas cher en calories, vous pouvez vous permettre d'agrémenter ça d'une petite sauce, une petite sauce blanche, une sauce bolognaise, une sauce carbonara, tout en restant un petit peu dans la légère. Mais voilà, ça peut vous permettre de manger des très bons plats avec un petit peu de sauce, tout en n'ayant pas de calories pour les féculents. Donc par contre, ça gonfle en fait un petit peu dans votre estomac. Du coup, c'est conseillé d'énormément boire quand vous mangez des konjac. Donc moi, le riz, j'ai pas encore essayé, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Par contre, celui qu'on a déjà essayé, c'est les formes de spaghettis. Et donc pour les 100 grammes, on est à 9 calories. C'est pareil, les pâtes, les 100 grammes, on doit être aux alentours des 130 calories. Donc voilà, c'est vraiment... ça peut vraiment remplacer les pâtes tout simplement ou le riz tout en mangeant ce sont des fibres naturelles, mais par contre c'est vraiment, ça n'a pas de goût hein. Je pense que si vous mangez ça sans sauce, ça va être clairement dégueulasse. Je vous conseille vraiment d'agrémenter ça d'une sauce tout simplement. Donc voilà, des konjac chez Action, pareil les prix, il me semble que c'est 1€ ou 1,50€, je vous mettrai les prix de toute manière. On reste dans la healthy food. Je me suis acheté des graines de chia. Alors qu'est-ce que des graines de chia? Donc je vous ferai un zoom pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est comme des graines de lin en fait. J'ai acheté ça parce que bah, bien évidemment j'en ai entendu parler sur plusieurs vidéos. Et puis j'ai fait une petite recherche quand même sur internet. En fait ce sont des graines à faire gonfler la veille de les manger tout simplement. Soit dans du yaourt, soit dans du fromage blanc, soit dans du lait. Et en fait ça va vous faire une petite... base donc avec des graines, mais ça va former une petite gélatine autour en fait. Et donc ça, il y a un petit peu de calories hein, quand même dedans, j'ai plus les chiffres en tête, et sur les produits Action c'est pas marqué sur ces pots là. Tout simplement ça va vous gonfler pareil dans l'estomac pour avoir cette sensation de satiété, et en plus il paraît que ça a des vertus je vais pas aller jusqu'au terme laxatif. Ça aide un petit peu à la digestion, et apparemment si vous avez des problèmes de constipation, ce produit là est un produit miracle. Donc je reviendrai dans une vidéo autre pour vous dire ce que j'en pense. Là je vais tout simplement vous parler d'un tout petit plaisir qu'on s'octroie avec mon chéri une fois de temps en temps. Tout simplement des boissons, des sodas à 0% de calories. Donc on a acheté du Pepsi Max et du Coca Zero. Clairement on préfère tous les deux le goût du Pepsi Max, donc on n'en mange pas forcément, on n'en boit pas non plus tous les jours, on va dire qu'on se prend un tout petit verre une fois tous les 2-3 jours tout simplement parce que c'est à base d'aspartame. L'aspartame apparemment c'est mauvais pour la santé, et tout simplement le gaz fait gonfler l'estomac et le ventre, donc voilà. On a fini avec la partie bouffe. Je me suis repris 2 boîtes de Kleenex comme ceci. Donc là je m'en souviens, c'est 79 centimes pièce. Tout simplement parce que vous verrez dans une autre vidéo où je vous montrerai mes nouvelles routines soins du matin et du soir, que j'utilise maintenant des Kleenex pour me sécher le visage et plus une serviette de bain. Donc voilà, je me suis racheté 2 boîtes de Kleenex. On reste dans la parapharmacie. Je me suis repris 2 dentifrices. Donc on a pris le... si je le prends en français, ça sera mieux. Donc le Colgate Goutte Très Frais Protection Maximum Anti-Carré. Et j'avais envie de tester le Oral-B 3D White. Je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas si c'est celui-là... On entend parler voilà, énormément sur YouTube en ce moment. Toujours est-il que voilà, c'est quand même 2 grosses marques bien connues. Donc sachant que chez Action, elles étaient vraiment pas chères, je testerai puis je vous dirai ce que j'en pense. On va finir par la partie
beauté. Je me suis acheté chez Action deux petites paires de boucles d'oreilles comme ceci en deux parties. Donc je vais vous montrer sur l'oreille ce que ça donne. Voilà, donc il y a une petite boule et une boule à l'intérieur, enfin derrière, et il y a des petites billes à l'intérieur. Donc voilà, là moi j'ai mis les noirs, j'en ai pris avec des petites particules argentées et d'autres avec des petites particules rose fuchsia comme ça. Pour agrémenter un haut noir, ça ira parfaitement je pense. Et je vais finir avec un produit make-up. Je voulais tout simplement tester leur palette de maquillage puisqu'on en entend parler énormément. J'en ai jamais acheté, j'ai déjà acheté leur eyeliner et puis c'est tout. Leur eyeliner gel que j'adore, c'est celui que je porte aujourd'hui, et l'eyeliner feutre que je n'aime absolument pas. Je voulais tout simplement tester une palette. Donc là c'est une palette, c'est marqué, donc il y a plusieurs gammes maintenant pour la couleur des yeux. Donc là c'est marqué pour les yeux verts, j'ai les yeux bleus, je m'en fous complètement. C'est tout simplement parce qu'il y a des couleurs un petit peu ocre, orangé et un petit peu des couleurs un petit peu marronnées. Et en fait ce ne sont pas du tout des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. Et donc voilà, je voulais tester. Donc c'est pareil, je pense que je vous ferai un... Je vais retourner à Action et puis je vais peut-être me prendre un fond de teint, un mascara et un rouge à lèvres. Et je vous ferai un total look avec le maquillage de chez Action. Donc voilà pour mes petites emplettes de chez Action. Il n'y avait pas grand chose en magasin. Énormément de déco comme d'habitude. Je vais y retourner, je pense, courant du mois. Puisque là, ici, en fait, là, ici, il y a un mur et je voudrais... trouver un petit peu de décoration pour changer le cadre de tournage entre guillemets, mais je voudrais d'abord trouver de la décoration pour mettre dans le mur juste là. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.